Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une bonne nouvelle quand même. Enfin, j'ai pu me crafter caviar de mouche de l'espace. Alors, je me suis un petit peu baladé tout simplement par là-bas en espérant. En fait, ils sont plus là. Ah, ils ont une plateforme de défense de Xénon maintenant, tiens. Intéressant. Enfin, bon, bref. Dans cette zone-là, il y avait des Terrans. Avec des destroyers, enfin tout ce qu'il fallait. Et je me suis dit, il se faisait attaquer là justement par les Xénons. Donc je me suis dit, si je les butais, peut-être que j'allais récupérer un petit peu de réputation avec eux. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est pas grave. Il va falloir attendre que les Xénons attaquent leur station pour que je puisse, je pense, récupérer de la réputation avec eux. Parce que c'est quand même une zone Antigone. Le problème, c'est que même avec les Antigones, bah, ils ne m'ont pas donné plus de réputation, ils ne m'ont pas remercié de quoi que ce soit. Donc je vais attendre un petit peu que ça se développe. D'ailleurs, je vois justement parce que cette station-là, il ne me semble pas qu'elle y était. Je ne l'avais pas vue en tout cas avant. Donc nous attendrons un petit peu, c'est pas bien grave. Mais au moins là-bas, j'ai pu récupérer des œufs de mouche. Et donc j'ai pu avancer un petit peu de ce côté-là pour continuer la mission qui se trouve là-bas au nord. Maintenant, la mission justement, ça va être de passer cet accélérateur et d'aller, je crois que c'était pour un enterrement de je ne sais qui. Enfin bon, bref. On va tout de suite le savoir de toute façon. Mais d'après mes souvenirs, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Enfin, il y a un truc dans le genre. On verra si ça va être aussi chiant déjà que la mission Terran. Et puis, dans pas longtemps, là vraiment, je vais m'acheter la suite aussi des DLC. Que je puisse avancer un petit peu. Mais je me demande quand même si je ne devrais pas avancer encore un peu plus dans le jeu, me développer un peu. Donc ici, il va falloir que j'atterrisse. Amarrage autorisé. Voilà. Amarrage réussi. En tout cas, j'ai bien galéré hein, pour ce caviar. Enfin bref, allez. Bon. Je vais vous dire que j'étais tout content de récupérer les 25 œufs de mouche qu'il me fallait. Allez, c'est parti. On les livre. Livrer tous les objets correspondants. C'est-à-dire... De quoi tu me parles, toi? J'ai apporté le caviar, quoi. Split accepte l'offrande. Invité peut interagir avec autres. Cérémonie commence bientôt. Split a entendu que vous avez traqué rebelles et libéré les otages. Ce Split téméraire trouve toujours problème. Vous avez retrouvé rapidement. Split a requête pour vous. Pourrait améliorer votre réputation ici. Patriarche local Noah Tehulp doit rendre compte au hall du jugement. Accusation est, il refuse réparation au patriarcat de Zyart. Il dit il n'est pas assez riche pour ses demandes. Dit que journaux financiers volés. Anciens partenaires commerciaux ont donné preuve. Montre que beaucoup d'esclaves achetés via lui. Punition ne doit pas être appliquée sans enquête correcte, mais autres splits ne veulent pas se mouiller. Comme étranger, vous pouvez peut-être aider enquête. On dirait qu'on a trouvé le moyen d'entrer. Allons-y. Très bien. Split attend information pour soutenir Libération Patriarche. Bon. Invités vont maintenant honorer le patriarche Gotepeng. Gotepeng prit arme face à tyrannie de Zyart. Un témoin va maintenant parler de sa bravoure. Ce split vole sous Gotepeng dans les feux. Transporteurs et chasseurs honorables ont combattu l'armada de Zyart. Gros arc nu Gotepeng passe à voir comment battre en retraite. Attaque serpent à sonnette appartenant à Zyart. Patriarche a attaqué Tourelle BC. Split a vu ça.
Héros de guerre des familles libres, patriarche a donné vie pour liberté des splits. Tous invités doivent se souvenir son nom. Tous invités doivent glorifier ses victoires. Jusqu'à plus grandes actions faites. D'accord. Donc c'était bien ça. Voyons si nous pouvons aider. Les deux cherchent un espace. Juste pour voir quand même si on peut le recruter. Non, je crois pas. J'ai repéré une fuite de signal potentiel pour revérifier les affirmations de l'ancien partenaire commercial. Comment est-ce que je rappelle mon vaisseau là déjà? Ah voilà, mais tout simplement, ok. Parfait. Eclipse. Avant-garde. Donc là, c'est bien un nouveau secteur. Ou pas? Ah non, mais j'ai pas passé, d'accord. Il va falloir que je le passe. Le portail. Il me semble. Portail. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Normalement. Ah oui, d'accord. Il faut que j'aille. Vallée vers crevasse de Tarka, station commerciale. C'était pourquoi cette quête déjà? Ouais, d'accord, ouais. Déployer satellite, c'est la position donnée. Fuite de signal près de satellite, ok. On va attendre un petit peu. J'avais vu que j'avais une mission avant. S'expirer. J'avais une autre mission, enfin bon bref, c'est pas grave, j'ai pas prise en tout cas. J'y ferai peut-être un peu plus attention. C'était également de construire une station de défense. Ah, vu que c'était une station qui allait péter ici. Par contre, la famille libre. Évidemment, ce sont eux qui ont les vaisseaux les moins bons. Il y avait quelque chose, je crois que c'était eux. Ouais, c'est celui-là qui avait 6 armes. Là, je prendrais plutôt ce genre-là. J'aimerais juste voir ce que ça vaut. Ça vole quand même à 3800, hein. En vitesse de croisière, c'est quand même pas trop mal. Peut-être qu'il serait temps, 8000 de coque, 4375 en bouclier. Vous entrez dans le système. Il serait peut-être temps de changer de vaisseau. Alors attention. Mais par contre, je ne crois pas que je puisse atterrir avec un vaisseau ici, non du tout. Mais quand même pas mal du tout, en plus avec deux tourelles. Pas mal de coques, 4300 de boucliers. Et mon vaisseau. Information sur le vaisseau. Mon bouclier, je suis à. À 2800 et 4000 de coques. D'ailleurs, il va falloir que je répare encore une fois. Je crois. Ce serait quand même pas mal. En plus, il serait plus rapide. Franchement. Alors, je pourrais pas rentrer partout, malheureusement. Je pourrais pas atterrir sur des vaisseaux, par exemple. Mais toujours avoir un petit vaisseau rapide à côté, comme celui que j'ai réparé pour la mission Terran, qui se trouve normalement ici, Arcan Prime. D'ailleurs, il va encore falloir que je récupère quelque chose. Ah oui, je vais juste me mettre une petite pause, parce que j'ai construit de nouveaux vaisseaux, donc des Manoria Gaz plus Magnetar.
pour cette nouvelle station, donc je vais l'amener ici. Enfin, les amener ici. Ensuite, il me semble que j'avais fait également un autre vaisseau, Hermès. Non, je crois que celui-là, je l'avais gardé, mais je vais en construire encore deux de plus. Une 2009, ouais, tout à fait. Je crois que c'était tout simplement ça. Je devais juste descendre ici à 5. Ajouter 2. Ok, il me restera 45 millions, ce sera suffisant. Voilà, je préfère ça. Il faut que j'aille là-bas. Et après, je pourrai tout simplement mettre les 4 vaisseaux que j'ai amenés pour la station. Ami, je suis fier de vous annoncer que nous faisons de grands progrès dans notre effort de terraformation. Vous verrez que notre planète Terra Nova, dans le système Segaris, est un endroit à nouveau habitable. Encore une fois, merci pour le rôle que vous avez joué. Adieu, ami. Ok, c'est bien. Placez un satellite à proximité pour que je puisse travailler à distance sur le décryptage. Très bien. Maintenant, laissez-moi paramétrer le satellite pour décrypter votre scan du signal. Veuillez procéder au scan. Oh mon Dieu, le réseau de satellites part en morceaux. Vous devez le réparer. Cela pourrait exploser. Ok. Eclipse. Avant-garde. De moi ou quoi? Satellite. Parfait. Je suis en train de tracer la destination des fonds. Dal regardera les données pour trouver. Amara. Ok, je regarde dans les registres de la compagnie. Trouvé. Bozo, il est impératif que vous effaciez ces données de la station. Tout de suite. Mais ils n'auront pas besoin de cette information pour leur rapport financier? Pas cette transaction précise. J'expliquerai plus tard. J'expliquerai plus tard. Retournons au vaisseau funéraire. Mmh. C'est un petit voyou, ce Dal. Cœur de l'acrimonie. D'Albusta. On va encore voyager, mais du coup, là j'hésite quand même. C'est vraiment, c'est déjà construit, c'est très bien. Est-ce que j'en prends 3? Je pense que je vais en prendre que 2 pour le moment. Et je vais les amener également là-bas. Il va me falloir aussi un vaisseau. Plusieurs petits vaisseaux également que je vais devoir pour protéger en fait cette station. Juste voir où ça en est. Ça va commencer pour la fabrique de lance-missiles parce qu'en fait j'ai laissé traîner, j'ai complètement zappé. Et je vois qu'ici, d'ailleurs les photopines là c'est déjà plein. Alors, évidemment on n'achète rien du tout. Et puis ici, ouais, tout ce qui manque c'est les composants de missiles. Donc là j'ai encore rien foutu du coup, bah évidemment bah, ça ne fonctionne pas pour le moment. Mais ça va pas tarder. J'ai un petit peu laissé ça à part pour le moment. J'espère que ça va bien se vendre. Après je vais voir si je vais devoir doubler ou tripler la production. Et puis il va falloir aussi que je me fabrique les 3 bombes IOM que je peux crafter
et tenter quand même de... Je sais pas si c'est possible de pirater justement les modules de construction de vaisseaux. Vous entrez dans le système. Ce serait quand même pas mal. Cœur de l'acrimonie. Les marchands d'esclaves prétendent avoir acheté des esclaves du patriarche exécuté. Ce qui est en partie vrai. Mais le patriarche n'a jamais vu la couleur de l'argent versé. Au lieu de ça, tout l'argent a été dépensé pour les funérailles. Avec les registres financiers produits devant la cour, nous avons des preuves solides de la conspiration. Nous avons besoin de revenir à cet accélérateur et trouver ce qui se passe de l'autre côté. Eh ben, j'y vais à fond, au maximum. Je sais pas si c'est moi, mais est-ce que le portail est différent des autres? Je suis parvenu aux funérailles par mes propres moyens. Je vous attendrai là-bas. Comment ça? Patriarche Noah Tehulp a été exécuté. Pas de justice pour lui. Split aurait dû engager meilleur enquêteur. Oh, ma gracieuse divinité. Sous moi? Comment ça va? Il n'y a rien que nous aurions pu faire pour lui. Le patriarcat de Ziyart est fébrile et plus que zélé quand il s'agit de ramener l'ordre au sein des familles libres. Nous avons besoin d'être dedans, littéralement. Je vais tâcher de distraire les invités à la cérémonie. Bozo vous aidera à entrer dans le corbillard. Et hop, vous traversez l'accélérateur. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait le plein de gadgets dont vous aurez peut-être besoin. Eh bien, une bombe IEM serait certainement la chose la plus utile pour nous aider à y accéder. Oh là là. Bien, en voilà un. Ah, tu m'en donnes un, c'est bien. Ils ne voudront pas que votre vaisseau soit trop proche pendant la procession. Une combinaison spatiale devrait passer inaperçue. Bozo brouillera leur senseur, à titre de précaution supplémentaire. Le service est sur le point de commencer. Enfilez votre combinaison. Bon. Je vais juste me faire une petite sauvegarde. En même temps, je vais vite regarder également ici le message que j'ai reçu. Information. D'accord. Montrer sur la carte. C'est Garris. Bon, ici. Je comprends pas. Non, c'est pas grave. Ok. Ici, apparemment, j'ai reçu encore un peu d'argent, mais je vais attendre encore un petit peu, ça sert à rien pour le moment. De prendre tout ça, j'ai juste effectué une petite sauvegarde et je vais pouvoir continuer. Toujours à regarder dans le sol. Alors, combinaison spatiale. Devez approcher le vaisseau funéraire avec beaucoup de précaution. Ah. Le moment de briller. Ne laissez pas tomber. On attend tes ordres. Affirmatif.
5. Silence. Mais ça c'est bon ça. Ça m'arrive, d'accord. Ah oui. Désolé, hein. J'ai coupé votre communication avec Dal pour le moment, pour éviter des signaux de communication suspects et aussi pour soulager votre ennui inévitable. En attente des ordres. En attente des ordres. Ah oui. Je vais juste faire une petite pause. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, c'est pas le minéral, enfin le magnétar. Ce sont lesquels? Ce sont ceux-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça et ça, vous allez miner pour lui. Vous deux, vous allez atterrir là pour le moment. Juste pour voir, j'en avais fait deux en fait. Planifier la construction. Ouais, j'en ai bien fait deux, plus encore tout cela. C'était peut-être pas la peine que je fabrique tout ça, mais bon bref, on verra après. Ça va peut-être m'être utile. Juste pour voir quand même... J'avais ajouté à la fin deux bâtiments là pour les habitations parce qu'apparemment, ah bah tiens, j'ai en ajouté un troisième, voire même deux autres encore. Je vais faire ça immédiatement. Voilà, ça va être rapide. C'est-à-dire que. Par contre, ça c'est un peu chiant. Voilà. Toc. Et là, je vais copier la séquence et le mettre ici. Voilà, comme ça, ça m'en fait 4. Confirmer, ça me coûtait un petit peu plus cher. Voilà. Pour ça, c'est bon. Et je crois que c'est OK. Okay. Allez, on continue. Maintenant, je sais pas trop ce que je dois faire. J'ai réussi à utiliser votre transrécepteur pour identifier avec précision votre localisation avant la clôture de l'accélérateur. Et donc, j'ai rétabli les communications. L'accélérateur fermé semble interférer avec notre technologie de téléportation. J'ai réussi à sortir, finalement. Comment ça se passe ici? Y a-t-il des fantômes split qui hantent cet endroit? Est-ce aussi mort qu'ils veulent le faire croire? Ouais, je sais pas trop où regardez je suis, ce que nous avons là. Créature, vous venez avec nous. On dirait qu'ils vous ont eu. D'accord. La faute à qui? Vous allez devoir vous montrer utile pour eux si vous voulez éviter le pire. Aha. Créature capturée va expliquer sa présence. J'étudiais une affaire judiciaire. Prisonnier va expliquer son lien avec le patriarche mort. Prisonnier va expliquer son lien avec Potent, de famille Nude. Une autre victime de oppression du patriarcat. Passager clandestin arrivé au bon endroit. Nous luttons pour liberté des splits. Comment prisonnier savait venir ici? Où? Travail impressionnant. Très bien. Invité semble plus curieux que hostile. Cela, c'est plus...
n'autorise pas encore à partir. Mais passer de créature à invité est bon signe. En effet, bien joué, créature. Assistant, je veux dire. Par contre, il me reste... Profiter de notre allégeance. Mais pour l'instant, faites comme si vous vouliez rejoindre leur cause pour pouvoir regagner votre liberté. À part ça, j'ai quand même encore 4 bombes IEM. Alors ça, ça va m'être très utile. Je vais pouvoir faire des tests si je peux récupérer certaines choses très chères. Oh, ça sent la dictature là quand même. Hein. Allons-y. Très bien. Nous éliminons criminels. Loyalistes qui embrassent le patriarcat n'ont pas place ici. Famille séparatiste toujours unie contre oppression du patriarcat. Invité doit prouver valeur et dévouement. Monétairement. J'ai pas sauvegardé. Est-ce que c'est une insulte si je donne 250 000 crédits? Est-ce que 20 millions de crédits, ça me fait un peu chier quand même. Allez, 1 million. Symbolique. Valeur prouvée. Symbolique, tiens. Ok. Très bien. Invité doit prouver valeur et dévouement. Élevez-vous contre patriarcat et combattez oppression. Invité à gagner accès ici, revenir avec rapport. Mm-hmm. Tu es Zia Cobra. Ça, je sais faire. Nous avons trouvé la planque d'un mouvement séparatiste des familles libres. En sachant que le patriarche est impliqué, je vais essayer d'identifier ses alliés dans cette entreprise. Bon, j'ai un contact travaillant dans la police du patriarche. Si vous souhaitez les informer de la rébellion croissante, je pense qu'on peut arranger un entretien. Avec les registres financiers produits devant la cour, nous avons des preuves solides de la conspiration. Retrouvez-moi sur le vaisseau de service funéraire, si vous voulez que je vous arrange une rencontre avec la police du patriarcat. Si ça ne vous intéresse pas, il y a probablement un intérêt à monter les échelons de la rébellion pour avoir une idée de son importance. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais rejoindre mon vaisseau. C'est quoi ça? Ah mais non, mon éclipse, il est pas là, juste. Juste pour voir où se trouve mon éclipse. Là-bas. Je vais peut-être lui demander après d'aller atterrir ailleurs, genre là-bas, tiens. S'il accepte. Je dirais que oui. Du coup, moi j'ai ce vaisseau là, Tuatura. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Toi là. Salutations. Voilà, toi, tu pourrais peut-être m'aider. Salutations. Ah non. Le split vous harcelé par les pirates. Tac. En plus, c'est un nouveau vaisseau. C'était à Hermès. C'était déjà où? Ouais, attention. Il est terminé. Ah merde, il n'est pas indiqué ici. Oh mon dieu. Juste faire... C'était à Hermès. D'accord, mais il est où? Les Hermès, ils sont que ici. Hein. Je ne sais pas trop où ce qui pourrait être. Oula. Non, ça va. Je pense qu'il va falloir que je m'achète des vaisseaux là, de guerre, parce que ça va pas du tout.
Eh bah du coup, je ne vois pas, on verra ça après. Lui, je peux pas l'engager. Ah voilà, c'est bon, maintenant ça va me l'indiquer. Donc c'était bien lui. Par le pire Minotaur ici. Merde. Juste pause, juste une petite sauvegarde, sait-on jamais. Mais face à un Minotaur, tu vas pas pouvoir faire grand chose, mon pauvre. J'essaie toujours de sauver quand même. Mais pourtant, lui, il est plus rapide. Hein. Donc, si tu enclenches ton turbo, ça devrait le faire. Fais pas le con parce que. Ben, il commence déjà à faire le con, il va te détruire. Ok. J'ai déjà perdu celui-là. Un Hermès. Ça m'emmerde. Parce qu'il va droit dessus. Est-ce que c'était la solution? Bien sûr que non. Apparemment, il arrive quand même à fuir ce con. Quoi? Ouais, ça va. Il a réussi à fuir. Ouh, bah dis donc. Et puis vous, là, occupez-vous de ce pillard, là. Ministère des Finances. Et moi aussi, il va falloir que j'aille m'en occuper à un moment donné. Mais je pense, normalement, il devrait lâcher affaire. Il va atterrir ici, je pense. Et après, il devrait lâcher l'affaire. Bon, allez, c'est parti. Est-ce que j'ai... Ah non, je vais pas acheter encore le vaisseau, là. Bon, on va partir par là-bas, tiens. C'est bon, il a lâché l'affaire. Trousse de médicaments, en plus il allait livrer des médicaments par là-bas, je pense. Ah, juste encore une petite pause. Et voilà, cette zone-là, il va falloir quand même que j'aille voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Et je pourrais sûrement m'installer par là. Par contre, pour la vente, je ne sais pas si ça va se faire. Je ne sais pas si les autres, ils peuvent aller par là-bas. Mais par contre, je pourrais peut-être m'installer ici, il faudrait voir. Parce que des besoins, ils en ont quand même. Pièces moteurs, métal raffiné, tout ça. Et eux se battent énormément contre les Xénons. Ils ont besoin quand même d'une nouvelle force. Et je sais pas s'ils sont ennemis justement avec les autres qui se trouvent par là, là. Contre les... Comment est-ce qu'ils s'appellent d'ailleurs? Les... j'avais vu... Ah bah tiens, il y a une station qui a disparu ici. Bon, je sais plus. Enfin, la salle du jugement, là. Enfin bon bref, allez c'est parti, on continue. Mais ça va me faire encore beaucoup de choses à faire comme d'habitude. Je vais y arriver. Ah ouais, alors moi faut que j'élimine le cobra. Stop. Est-ce que mon éclipse... Stop, tu fais quoi, toi? Mais je t'ai... Oh. C'est pas possible, là. Toi, tu vas là-bas. Non, déjà... Non, attends. Supprimer tous les ordres. Et tu vas là-bas. Je sais pas pour quelle raison, à chaque fois, en fait. Il faudrait que je pense... Il faudrait vraiment que je pense à... Ah non, c'est pas qu'il y a de marchandises, non. Ah si. Il faudrait que je pense quand même à supprimer à chaque fois les ordres qu'il a avant de le faire déplacer quelque part parce que... et que je prenne un autre vaisseau. Alors, mais s'il a pas de bouclier, ce machin.
sûrement pas un atterrissage en MK2. Voilà. Par contre, je vais peut-être pouvoir me téléporter là-bas. Si je fais téléporter vers, je pense que c'est bon. Non, ça ne l'est pas. Nous si, sommes heureux bon. De vous accueillir à bord. Cobra. Voilà, là, je vais pouvoir me battre. Ou alors, on va voir ce que ça va donner. Au pire, je peux m'acheter un nouveau vaisseau là-bas. C'est ce que je comptais faire d'ailleurs, et je vais peut-être le faire maintenant. Ça va me faire du pognon en plus, mais... Enfin, en moins, je veux dire. Acheter des vaisseaux. Je voulais m'acheter celui-là. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, vraiment, mais 3800... Ah, franchement... Ça m'a l'air quand même très sympathique. Du coup, ce que je peux faire, c'est de me prendre 4 comme ça. Et puis des canons avec plasma, mais... canon à plasma, on est bien d'accord, normalement c'est pour les coques, hein. Dégâts au bouclier. Dégâts sur la coque, ça vaut aussi à 2393. Et ça... 43 MJ. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? À 0,33 coups par seconde. Ah oui, mais c'est peut-être ça. Hein. Je sais pas si je fais bien. À 0,33, puis là il est à 11 coups par seconde. Je vais tenter quand même comme ça. Sinon, il y aurait quoi d'autre? Ça, ça fait pas beaucoup de dégâts. Quoique. Mais je vais en prendre deux comme ça. Voilà. Ok. Ici pour les tourelles, on va laisser celle-là, ça va bien. Les satellites, je peux en avoir 100. Ça fait quand même beaucoup. 50. Ah, des satellites avancés, est-ce que tu as... Ah, mais là par contre, ils n'ont pas du tout ce qu'il faut. Pièces de coque, 509. Pièces de moteur, 185. Composants de tourelle, 54. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Pour le moment, ouais, bon, j'ai quand même en prendre 50. Satellite avancé, ça va, ça, il n'y a pas plus de demandes. 25. Balise de navigation, on va prendre 5. Sonde de ressources, 5 également. Tourelle laser MK, non, mine, machin. Ici, 2, ça va très bien. J'ajoute à la liste, j'achète. Il me reste 37 millions et si je récupère le pognon un peu partout, ben ça me fait pas grand chose, voilà quand même pas mal. Là je suis à 14 millions, mais il me manque 10 millions. Là j'ai pas posé un seul centime. Et ça monte tout seul avec une Anubot. Là 4 millions, c'est vrai que je pourrais peut-être mettre. Bon, on verra après. Et puis ici. Ce qui me fait 37 millions, 43 millions, c'est quand même pas mal. Est-ce que le magnétar est arrivé à destination? Pas encore. Où est-ce qu'il est? Ah ben il arrive bientôt. C'est parfait.
encore des Hermès. Ah ouais, 3 là-bas. Ah non, ils attendaient, ouais, ok. C'est juste. Ok, allez, tout va bien, je vais pouvoir continuer. Est-ce que j'avais fait ma sauvegarde? Je suis plus sûr, non. Je ne crois pas. On va sauvegarder ici. Et on va s'attaquer au Cobra. S'il pouvait quitter le vaisseau, ce serait parfait. Allez, let's go. On va voir ce que c'est que ce Cobra. Surchauffe. On m'a demandé de te tuer. Je m'exécute. Eh ben, j'allais jusque là-bas, d'accord. Eh ben, écoutez, je pense que je vais atterrir là-bas, je vais voir un peu ce qui se passe et je vais m'arrêter là après. Je suis quasiment à 45 minutes, donc pas longtemps. Ah oui, juste, le magnétar était arrivé, il faut que je fasse bosser. Il va déjà prendre du temps, donc miné pour le commandant. Voilà. Ça, c'est bon. Je pense qu'un seul suffira, parce que ça demande pas beaucoup de minerais.
crevasse de Tarka. On m'a demandé de larguer ma cargaison. Ça, c'est aussi pénible. Est-ce que c'est toujours le même? J'ai l'impression que c'est toujours le même au même endroit. Ouh, alors là, t'as intérêt à fuir. Là, c'est un phénix. Bah, c'est foutu. Là, j'ai vraiment perdu cette fois-ci. Et ça, non, c'est pas le même. C'est un vautour. Et en plus, il avait quoi? Ration de nourriture. Ah, j'aurais peut-être dû éjecter. Là, il n'arrivera pas à s'en sortir. Il bosse pour fabrique des produits pharmaceutiques. Ok. Je vais envoyer ce que j'ai en réserve là-bas. Celui-là. Et commercer pour le commandant. Et du coup, on va en fabriquer encore deux autres. Est-ce que j'avais changé des trucs? Je ne crois pas. Parce que c'est pas avec ces armes-là. Ben non, en fait, c'était même pas le même en plus. C'était un vautour. Mais les vautours sont quand même très longs. Mais même lui, il n'aurait pas réussi à s'enfuir de toute façon. Donc. Ça ne change rien au problème. Allez. Deux en construction. Il est toujours pas mort là? Bah si. donc ça c'est un vaisseau. Non mais il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Parce que lui, je vais pas le laisser comme ça. Et pourtant, il est loin. Et puis, il y en a d'autres qui risquent de se faire inquiéter également. Ouais. Ok, bon, je vois le problème. Non, j'ai pas d'autre choix. Je commence à en avoir marre. Je vais juste mettre une petite pause. Acheter des vaisseaux. Alors le titan, de toute façon il va être un peu lent, quoique. Il vole à combien celui-là? À 5200. Mais par contre il coûte que 38 000. Que 38 millions je veux dire. Enfin que, c'est déjà beaucoup. Mais il me faudrait un vaisseau dans le genre quand même. J'hésite, mais pour le moment, ça j'achèterai à plus tard. Je vais plutôt prendre... C'était bien ça, on est d'accord. Ça vaut que 25 millions, voilà, ok, donc c'est bien ça. Ok, je vais juste me prendre quand même un behemoth. Et là, on est à 15 millions. Un behemoth, ça peut se mesurer contre un phénix. Même s'il faut faire quand même assez attention. Après, c'est quoi ça? C'est des rayons. Ici, nous avons ça. Normalement, il est tout à fond, c'est ok. Il vole à 4000, donc il est plus lent. C'est vrai que le titan, il est peut-être un peu abusé en ce qui concerne la vitesse. Drone cargo, drone de défense, drone de réparation. Et drone de défense. On va mettre l'healer, ok. Allez, c'est parti. 15 millions, 100 000 en moins. Ça, et puis il va me falloir également... ça. Et ce truc, c'est que ça coûte quand même très cher. Combien est-ce qu'il coûte? À 2 400 000. Celui-là. 2 500 000. Puis il manque des composants électroniques avancés. Bon, je verrai ça plus tard. Pour le moment... Je vais avancer avec l'autre. Et puis l'autre, justement, il va partir un peu en patrouille et puis s'occuper, s'il sera toujours présent d'ailleurs, hein, à la zone. C'est ici. Je crois. Il devait être par là. Alors, je sais pas où il est maintenant, mais je vais l'envoyer par là parce que c'est vrai que mes vaisseaux font quand même pas mal de routes, pas mal d'allers-retours dans le coin. Donc, il faut absolument protéger cette zone. Hein.
Ah, j'ai oublié quelque chose. Entrez dans... J'ai oublié de faire quelque chose. Bon. 24. Je ne crois pas que je vais pouvoir... modifier. Non, après je pourrais l'améliorer parce qu'en fait il me faut absolument des soldats. Et puis là-bas, je sais pas pourquoi ils sont toujours bloqués. Hein. Le mien c'est bon, il avance, mais les autres non. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc les miens avancent, c'est le principal. Bon, ça commence un peu à durer là quand même. J'ai passé les 51 minutes. J'atterris là-bas. On va faire ça à grande vitesse, si possible. Amarrage autorisé. Ok. Amarrage réussi. Faire le rapport. Sur le pont, comme d'habitude. Split accueil bleu à bord. Split besoin vous dehors pour maintenance mineure. Prenez bombe. Et lance bombe aussi. Vous allez en combinaison spatiale et voler vers quai de trafic de masse devant commerçant d'esclaves 2. Ok, bon, ça ce sera pour la prochaine fois. Je vais me faire la dernière sauvegarde pour aujourd'hui. Juste ici. Et puis on verra ça la prochaine fois. En tout cas, ça avance un petit peu. Je vais voir où est-ce qu'elle en est la station. Bon, je pense pas qu'elle a énormément avancé. C'était... Oui, c'était bien celle-là. On va planifier la construction. Ah, ça déjà. Ah bah dis donc, il reste plus grand chose là. Après, il me reste encore les conteneurs. Habitat. Collection de photopiles également. Mais je crois que j'en ai fait deux, mais. Je sais pas. Combien ça consomme? Ça consomme rien vu qu'il n'y a rien qui est utilisé pour le moment. Déjà 7 900 000 ici? Non, 7900, ok. Je disais un truc qui ne jouait pas. Apparemment, oui, c'est ça, ils achètent des photopiles. Bah, en fait, seulement, j'en ai pas franchement besoin. Hein. Surtout que j'ai plus de quantité qu'il n'en faut pour le moment. Là, tout ce qu'on attend, bah, c'est de l'hélium qui va arriver, du méthane, le minerai. Où est-ce qu'il en est, le magnétar? Il n'a pas encore commencé. Mais il commence tranquillement par là-bas. Les cages qu'il y a, d'accord. Les cages qui se promènent ici. En stockage d'un bobot. On en a quand même 5848. Pour cette station. Là, j'ai pas de vendeur. Ah bah tiens, je vais vite faire une chose. Et j'irai me racheter encore d'autres vaisseaux. Vous allez revendre pour eux, commercer pour eux. En bêta. On va se racheter de nouveau deux vaisseaux. Hermès, j'espère qu'ils ont ce qu'il faut. Ici, j'avais dit que je baissais à 5, ajouter et 2 vaisseaux supplémentaires. Ah, ça baisse, hein, mais bon. Faut ce qu'il faut. Ici, est-ce que j'avais rajouté quand même des bâtiments pour la main-d'œuvre? Parce que là, ils ont tout terminé. Ah, bah oui, bah du coup, il n'y a pas de. Si, ils ont de la nourriture, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, tout va bien.
14 millions, allez, encore plus 10 millions, puis ça va le faire. 1062, là je vais me faire du pognon. 1062 fois 1734 crédits, ça fait quand même pas mal. Allez! C'est la combinaison bleue. Allez, calme-toi, calme-toi, ce sera pour demain. Là, c'est bon, allez! Georges, je m'arrête là. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et la prochaine fois, ce sera la suite de la mission Split. Là, je ne sais plus exactement ce qu'il fallait faire, comment ça se passait. Mais je crois que c'est loin d'être terminé. Je me demande d'ailleurs si la suite des missions Split ne va pas me diriger par cette zone-là. Ou par Anid. Je sais qu'il y a quelque chose par là-bas. Je ne sais pas comment je vais choper cette mission. J'aimerais bien la retrouver. Enfin bon, bref, on verra bien. Allez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !